Et on se demandait l'autre jour pourquoi le pseudo DJ d'Adiké. Oh, DJ Lalique, bah, en fait, c'est une longue histoire. Si je vous la raconte, vous allez tous vous endormir. Non, mais à l'époque, dans le hip-hop, on aimait tous avoir un surnom. Et comme moi, j'avais commencé dans le breakdance, j'avais un surnom. On me donnait un surnom d'un membre de Rocksteady Crew qui était un membre américain, un breaker américain super connu. Il s'appelait Kouriaki. Donc, soit tout le monde s'en fout, tout le monde a déjà zappé là. Et donc, on m'appelait le Kouriaki belge parce que je faisais les mêmes mouvements que lui. Au sol, et on rêvait tous d'avoir, tu sais, à l'époque des chaînes, des bagues avec nos noms, les trucs bling-bling du rap de l'époque, qui sont toujours là aujourd'hui, mais qu'à l'époque on ne savait pas se payer, on ne savait pas s'offrir. Donc c'était la fête des pères, et il y avait un coupe-papier pour la fête des pères en or, comme ça, doré, et il y avait écrit Daddy donc au bout, et donc j'ai plié la bague du couteau. Et j'ai fait croire à tous mes potes, ouais, j'ai une bague de New York, Daddy, Daddy. Ils me disent, mais tu t'appelles pas Daddy? Je dis, ouais, maintenant mon nom c'est Daddy Kerr, en gardant le K de Kouriaki en souvenir. Et juste à cause de cette bague, en fait, cette pseudo bague pour faire croire à mes potes, et j'ai gardé le nom et c'est resté quoi. Voilà, l'histoire où tout le monde s'est endormi. Mais ce qui est drôle, c'est que le nom Daddy aujourd'hui, se porte bien parce que comme je fais partie entre guillemets des pionniers du mouvement et notamment du DJing et de tout ça, on me considère un peu comme le papa de tous les DJ en Belgique en tout cas et en France aussi beaucoup. Et donc finalement c'était peut-être pas un hasard que je trouve ce coup de papier avec écrit Dali quoi. Non.